Julie, on a évoqué le système digital, évidemment, notamment lié à la visite virtuelle. Mais on est d'accord, en fait, ça ne s'arrête pas là. Finalement, ça concerne tout ce que va utiliser l'agent immobilier pour mettre en valeur son savoir-faire, etc. Bien évidemment, Romain. Une fois qu'on a la visite virtuelle du bien, s'en servir pour créer du lien et du contact avec le prospect, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est indispensable. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que le contenu qui a été créé spécifiquement puisse être utilisé sur l'ensemble des outils et médias mis à disposition de l'agence immobilière pour communiquer avec ses différentes cibles. Je pense bien évidemment à ses réseaux sociaux, mais pas que. Je pense aussi aux annonces qui sont sur la page de son site internet et puis bien évidemment à l'ensemble des écrans qui sont dans son agence immobilière, que ce soit en vitrine ou en intérieur, puisqu'il est important d'avoir une communication sans rupture entre les deux espaces. Et c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui les logiciels de pilotage de contenu qui permettent d'animer les écrans, encore une fois en vitrine comme en intérieur, intègrent ces fonctionnalités-ci et le permettent en trois clics. Donc en fait, le logiciel va permettre finalement d'envoyer tout ça en fonction très simplifiée. Exactement. D'accord, et ben, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un.